Et salut à tous, ici Arcanum et on se retrouve pour le chapitre 8 partie A, qui est a priori le vrai dernier, étant donné qu'il ne reste plus que 4,6%, donc quand même, ça va aller très vite. Comment s'appelle donc ce dernier chapitre? Nous allons le voir tout de suite. Je vais laisser le micro allumé, donc mur. Mur A. Je vais faire comme l'épisode précédent, je vais laisser le micro allumé. Je pense que là, il n'y aura pas vraiment nécessité de traduire chaque partie. Et Benman qui arrive. Qu'est-ce qui se passe avec le Sanctus Populis? Pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi je n'arrive pas à la comprendre? Difficile à penser, difficile à croire que... Bon, j'ai besoin de t'éterniser aussi, de finir ce que j'ai à faire. Là, vu que c'est le dernier chapitre, a priori, il y aura beaucoup d'action. Ah, quelqu'un a rejoint Benman. Hein. On retrouve les deux gosses. Venom. Rappelons que Benman avait massacré la team, la guilde des assassins. Venom, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pensais pas te voir ici. Ou plutôt, je devrais dire, je ne m'attendais pas à te trouver ici, voilà. Désolé de te dire ça, mais tu arrives trop tard, tu ne peux rien faire. Ah, tu crois? Comment tu peux m'entendre ici? Tu penses que tu es le seul à pouvoir bouger dans ma tête? Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Wavelengths. Bah là, la même longueur d'onde. Comment c'est possible? J'arrive pas à sentir sa présence. Je vois. Time to break. Fini. Il est l'heure d'en finir. Donc c'est pour ça qu'il allait chercher Robokai. Robokai est pas un être humain, c'est un robot. Donc il peut pas sentir sa présence. On retrouve le combat du coup avec le dernier. Ah bah il restait un gear apparemment. Je crois qu'ils étaient que 3, a priori on a encore un de plus. Il ne doit pas exploser, ces guerres restent très dangereux. Oh, Dizzy! On n'avait pas encore beaucoup vu en action.
Bah qu'on avait carrément pas vu en fait. Première apparition d'Izzy dans le Mob Story. C'est vrai que c'était le dernier personnage qu'on n'avait pas vu. Et qui, du coup, comme c'est une gear. Hein. Je suppose qu'il y a une cause à effet entre gear. On peut difficilement retourner en arrière. C'est un combat qu'on doit absolument gagner. Pourquoi tu vois la lumière en moi? Il était en tête du top de la montagne quand tu as rencontré un vieux gentleman. Il t'a rappelé Mia avec l'homme qui maintenait notre couverture. J'ai un vraiment très bon temps, je ne peux pas attendre. Je suis bien là. On se bat en arrière-plan, on se bat en arrière-plan. C'est exactement ce que nous voyons. Peut-être que demain il n'a toute autre signification. Team discours d'encouragement pour la guilde des assassins. Hein. Bon, évidemment, ce n'est pas terminé. On retrouve la fin du combat entre Batman, Venom et Robokai. Je pense qu'à la prochaine partie, on verra peut-être la conclusion concernant. Combien de temps de pensée peuvent traverser un petit objet, un petit jeu.
C'est vrai que c'est mis de mon habileté à lire dans les pensées, mais... Qu'à détruire le roman métal en premier et toi en premier, ensuite. Ce gars pense vraiment qu'on est venu ici pour mourir. Je vais te le dire, tu as perdu Batman. Il n'y a absolument aucune fuite possible. Tu ne peux pas t'y échapper. Il y a d'autres bols qui vont maintenir leur distance de la sphère. Tu penses que tu ne pourrais jamais me tuer avec cette attaque? Toi, tu me demandais si on était venu ici pour mourir. Les assassins vont toujours renaître. Dans un nouveau monde, nous allons pleurer sous la lumière du jour. Cette petite guerre que tu mènes est notre opportunité pour atomiser nos péchés. Pathétique. Si tu veux que le monde t'accepte, tu devrais te tenir dans les ténèbres. Mais c'est trop tard pour toi de retourner. Tu essaies de me tuer par toi-même? Tu essaies de te tuer? Et maintenant, mon entière vie était remplie de mécontentement. J'essaie de transformer ça en un mur qui sépare les ténèbres de la lumière. Et si je dois être sacrifié... Je suis prêt à abandonner ma propre vie. Je suis heureux même de donner ma vie. Ah oui, d'accord.
Pour un rêve cheap. Est-ce que je vais perdre comme ça, juste pour un rêve de débile? Ah, c'était des fesses déjà. Comment tu peux subir une telle chose? この僕が この世界はどんなに上辺を取り繕っても、最終的に刑事課に価値を集約して優劣を求める。それを世の中は万物平等と謳っているんだ。だからこそ僕はその圧倒的火力をゼロする思想に倣った。不必要なものは全て排除した。 Éliminer n'importe qui, n'importe quoi qui est non nécessaire. Libre du règne de la rationalité des statistiques. Je veux rendre libre tous. Généralement un bon gars. Je suis Attends mon signal. À la façon que les gens t'ont traité dans cette ville, pourquoi tu veux toujours les protéger? J'en ai aucune idée. Peut-être parce que je suis une plus grosse espèce que toi. À quel point tu es pitoyable? Bien sûr, je suis en colère contre les gens de cette ville, mais sans société, je ne peux pas avoir d'huile pour mes engrenages ou porter leurs vêtements. Quelqu'un quelque part les fabrique. Bah,
Je peux être utile pour juste une de leurs personnes, alors je suis fait partie de cette société, donc je suis satisfait. Je peux seulement imaginer que tu es né dans un monde où tu n'as pas vraiment pu bouger ton cul. Il y a une certaine forme de confort que tu as eu. On a vraiment rien à faire de ce qui se passe dans ce monde. Recule. Je me sens tellement désolé pour toi. Est-ce que t'es un idiot? Ce que tu fais, et tout le monde est prêt à mourir. Je suis une IA sophistiquée. Je n'ai pas seulement d'une vie, je n'ai pas besoin de sauver pour être sacrifié. Souviens-toi, je ne suis jamais rigolé des rêves d'une autre personne. Tu sais de règles, tu n'as pas besoin d'élaborer de telles idéologies. Et après tout, il reste connecté. J'ai juste besoin d'être un petit peu plus cool. Bon, je pense que ça va se conclure comme ça. La fin de Benman, de Robokai, bon, pas peut-être celle aussi de Venom. Ah non, ça n'est pas encore fini. Mais ça a l'air d'être terminé pour Benman. Non, il est encore. Et bah, c'est la fin pour Benman qui va se faire buter. Ne pense pas que tu perdes. Il semble que je ne vais plus être utile au combat. Je confie le reste de nos rêves. On n'aurait pu jamais écrire une meilleure fin.
Benman qui va se faire trahir. Ouais, je pensais à la fin de tout. Non, ne t'inquiète pas. Je vais être sûr de compléter le monde absolu. Absolute World. Et je ne pensais pas que l'humanité aurait fait ça. Qu'est-ce que ça signifie? J'étais caché à quelque chose depuis tout ce temps. La vérité est que je déteste les humains. Je vous déteste tous et je pense qu'ils vont tous mourir. Je pense qu'ils devraient tous mourir. Ça veut dire... Tout ce qu'à propos de créer un nouveau genre d'humain et de mener vers un nouveau futur. Je pense qu'on pourrait appeler ça un mensonge, ouais. Tu es celui qui peut lire entre les lignes. Non, tu n'arrives pas à lire entre les lignes. Le seul abonné ici, c'est... Ah, je vois que tu es réveillé. Ah bah du coup, comme il est réveillé, il peut pas lire dans ses pensées, c'est ça? Enfin, il a jamais pu en fait, puisque c'est un robot. Combien de gens penses-tu que j'ai tué? Comment tu as pu me trahir? Ah, c'était le monde absolu. Ça, je pensais que c'était assez clair. Je voulais faire ça comme je veux. Comme je pouvais, ou je voulais plutôt. Je vais te anéantir. Je vais créer ce monde. Je créerai ce monde comme je l'ai dit. Tous les pouvoirs n'ont aucune signification dans ici. Mais il est... It's too bad. Tout ce qui me restait en vie, je laisse. Bon bah ça va se terminer du coup sur la mort de Batman, ou la disparition de Batman. Ah, c'est toujours pas fini. Batman du coup qui a été transformé en pierre, et là je suppose que c'est sa sœur. Fille inconnue, bon on devine que c'est sa sœur. On marque sur les jambes. Et ça se termine comme ça. Seven Z, ouais, la manette était éteinte, mais évidemment, c'est un moment que je l'avais pas allumé.
Alors ça c'est cocasse, on est à 100% de... Attends, ça se finit comme ça? Hein? Quoi? Ça se finit comme ça? Ah non! Attends, mais il reste la partie B, ouais, pourquoi c'est 100%, c'est pas clair. Pourcentage, vous voyez bien tout comme moi que le pourcentage de lecture, il y a 100%. Hein. C'est peut-être parce que le DG World est plein, ça? Non, même pas. Pourquoi? Je sais pas compris. Mais peut-être que ça prend en compte le fait que je suis au dernier chapitre. Ça veut dire peut-être que j'ai 100% de la lecture disponible. C'est peut-être pour ça, ouais. Donc ce serait le dernier chapitre, quoi qu'il arrive, le prochain. Ouais, je pense. Je sais pas comment c'est considéré dans le jeu. Donc on va se donner rendez-vous pour, a priori, le dernier chapitre de Guilty Gear Sound Revelator 2. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Arcanum. Bye!